Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Lorenzo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur One Piece Pirate Warrior 4, ensemble. On va jouer Cavendish, les gars, voilà, avec la petite demande de Jordan Delo qui va proposer le personnage. J'ai testé, faut avouer, j'ai quand même quelque peu de mal avec certains setups. J'ai dû travailler beaucoup le personnage pour le rendre efficace. Il a un build quand même assez atypique à sortir. Et c'est tout à fait intéressant sur le coup pour vous proposer. Hein. Comme ça vous montre un petit peu des idées de build. Donc, on va partir avec Parfum de Rose pour se soigner un petit peu. Belle épée Bluebird, voilà, qui est une bonne attaque. Le fameux Akuba, l'attaque voilà, transformation en somnambule. Voilà. Il est hyper performant cette forme, il n'y a rien à dire. Moitié-moitié. Voilà, vous avez vos attaques spéciales. On va se concentrer bien sûr sur le Hakuba. Pour ce faire, on va utiliser de la concentration. Ça va faire monter les jauges de technique spéciale plus vite. Amélioration de technique spéciale. Ça fait plus de dégâts. Classique. Stress et tempête. Réduit la consommation d'endurance pour le type rapide. Donc on va pouvoir beaucoup plus rush. Vous savez très bien que dans le nouveau mode de jeu du DLC. Et l'archipel demande énormément de déplacements. C'est une très très grande map. Donc voilà, l'endurance va être importante. Puissance écrasante augmente l'attaque contre les jauges d'armure. Très très intéressant à utiliser, sachez-le, pour les persos qui font pas de dégâts. Voilà, on pallie ça. Le manque de puissance par un gros brise-garde. On le met de suite en effet de stun. Voilà, et pour ce faire. On augmente les dégâts avec la poursuite sur les ennemis inconscients. On fait un combo écrasante, puissance, des augmentations des attaques carrées. Il est de type rapide. Donc les rapides utilisent le carré en masse. Donc on augmente. Et pour finir, attaque critique augmente la durée de laquelle l'ennemi est KO et reste inconscient. C'est très très fort. Voilà, normalement, on devrait avoir un build assez équilibré qui va utiliser. En fait, l'atout numéro 1 de Cavendish, c'est-à-dire sa vitesse, avec de la puissance. C'est ça qui est difficile à faire dans le build de Cavendish, parce qu'il ne fait pas assez mal. Mais niveau vitesse, vous allez voir, c'est énorme. Voilà, vous avez vu, on la stun, ça a pris 2 secondes, c'est parti, on enchaîne. Hop là, Luffy qui fait son arrivée. On va l'accueillir comme je dois, les gars. Avec un beau combat. Où il va, Luffy? On y va? Akuba. Alors attendez, Luffy va descendre en bas. Hop, attaque. Ah, vous n'avez pas vu l'animation? Vous la verrez tout à l'heure. Où il devait? Alors quand il est en transformation, comme tous les persos, il a une attaque en plus. Hein. Il est dans des attaques différentes. Sachez-le. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu la vitesse quand il est en Akuba. Oui, c'est une dinguerie. Voilà, vous avez vu, ça va vite, ça fait mal. Hein. Voilà, la transformation dure environ 1 minute. Vous avez vu, il y a un autre problème quand même, je trouve, c'est le temps entre les missions. Trop, je trouve que c'est trop mou. On attend beaucoup trop, je sais pas quoi. Hop, le Hakuba est terminé, ne vous inquiétez pas. On va aller le charger dans pas longtemps. On commence avec une petite rapière. Regardez, hop là, pointe de l'épée. Presque stun. Le stun. Et alors là, moitié-moitié. Moitié Hakuba, moitié Cavendish. Ok. On se calme. On se calme, on a dit. Akuba, ah non, l'animation. Attention. Ok,
Qui veut se prendre déjà des giflasses? Quand vous êtes en Akuba, les gars, accélérez. Jouez vite. Hein. Utilisez vos spéciaux au maximum. Voilà, bourrez. N'ayez pas peur. Comme jamais vous n'avez bourré sur un jeu. Utilisez au maximum les attaques. Hop là, un petit coffre. Alors là, le déplacement. Ah, attends. On laisse. Ouais, d'abord ici et après on finit. Voilà. Normalement, qui va faire une apparition? Voilà. Non, Akuba. Allez, on retourne. La rapière, les gars. Ça passe aussi. Attends, on a presque broyé une attaque. Et là, on le finit. Ça qu'on veut voir, les gars. Et maintenant, on finit l'événement central. Hop, vous avez perdu de la vie? Pas de soucis. Le soin. Okay. Allez, le jeu. Petite rapière. Bim. Pardon. J'ai tout entendu, c'est honteux. Allez le jeu, allez, allez, allez. Envoie du monde. Ah, c'est chaud à prendre des territoires. Normalement, il va y avoir des ennemis qui vont faire leur apparition, mais vous avez vu, regardez le temps. Pendant l'animation, il te dit oh là là, il y a un ennemi et tout, c'est tellement le bourbier ce truc. On y va, c'est parti. Moitié-moitié. Voilà, mess beige. Voilà, attention. Et on le termine, mon gars. Il est où? Mais qu'est-ce que... Vous trichez. Je te vois, l'ordi, Lia, je t'ai vu. Tu as téléporté beige, je ne suis pas du tout d'accord. Ça, c'est honteux. Pardon? Ah oui, tu veux la jouer comme ça, regarde. Par contre, là, on a un gros adversaire. Oui, de taille aussi. Bourrage, bourrage, bourrage. Attention. On a pris le territoire là. Oh, la transformation est finie. Ah, c'est gentil ça. Okay.
Allez, la rapière, on enchaîne derrière avec un petit Akuba. Ça devrait faire mal, voilà, hop. Hein? Allez! Voilà. Ah, il est encore. Il n'y a pas l'animation. Super. On se dépêche, il ne reste plus que 2 minutes. Alors on gagne 1 minute, ça c'est bien. Alors c'est là où il est très très fort. Alors quand il y a des grandes... Quand même c'est un petit peu large, vous voyez. Voilà. Déjà fini? Putain, c'est chaud. On n'a vraiment pas le temps. Hein. Franchement, la map est trop grande. Il n'y a pas de coffre en plus. Hop, alors voilà, là. J'en avais pas vu un autre. Si, juste là. Hop, il est où l'objet là? Dodo Cavendish? Je vais me dépêcher de prendre le territoire, ils vont faire un événement et tout, vous savez. Mais franchement... Vite! Mon jeune! Allez, transformation en Akuba, on essaye de prendre la minute qui nous reste. Ok, Stitch a fait une arrivée. Allez, on met l'attaque spé. Yep. Allez, reste une minute. Je peux pas donner du temps. Pas du tout. Voilà, le jeu, vous êtes vraiment dégueulasse. Non, il donne pas. Ah ouais. Bon. Allez, l'attaque spé. Non, vous amusez bien ?
C'est comme ça, il se met en colère. Du temps? Un truc de dingue. Ouais, bon ben voilà. Ah si, la minute, quand même. C'est vraiment, ils sont radins comme ils ont plus cette map là-dessus. Cavendish avec élégance, mon gars. On appelle ça. Tu veux prendre l'objet? Voilà. On y va? Un petit Akuba final avec l'animation, s'il te plaît. Voilà, 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 voilà. Combat terminé. Cavendish, il pipipe, regardez comme il est beau. Mais voilà, Cavendish a réussi. Voilà, c'était. On est limite niveau temps. Après, voilà, il fait le taf. Il fait quand même mal. On a réussi à un truc sympathique. 11 990. Mais c'est dommage. Au moins 12 000 ça aurait mérité cette histoire. Voilà. Alors, il est un petit peu difficile à jouer. C'est surtout qu'en fait, il manque un peu de. De puissance brute, il manque un peu de brutalité, mais voilà, hein, je me suis dit, on m'a fait une petite demande, je me suis dit, allez, je vous fais plaisir, n'hésitez pas, voilà, si vous avez maintenant des personnages complètement fumés, qui fait des scores, hein, les gars, et que vous avez des builds, n'hésitez pas à le partager, voilà, donc, c'était pour toi, en même temps, comme ça, je vous fais des petites vidéos dédicaces pour toi, Jordan. Merci pour ton commentaire et vos commentaires également, hein, pour tout le soutien. N'hésitez pas, franchement, il y a de quoi s'amuser. Partagez aussi vos informations entre nous, hein, ça sert à ça également. Hein. J'essaye au maximum de vous partager tout le contenu possible sur du One Piece. En ce moment, j'en fais beaucoup sur la chaîne. Je vois que ça vous plaît, donc forcément, moi, je suis content. Parce que le jeu, il mérite complètement. Il nous refait un retour sur une extension, ma foi, qui est totalement réussie. 20 sur 20. On s'attendait déjà pas que le jeu repoursuive une suite. Ça a été le cas. Et en plus de ça, ils ont fait ça en grande pompe. Et ça, c'est bon. Voilà, on est content. Allez, on va récupérer un peu nos ressources. Et voilà, Cavendish, mon gars. Patakish, comme il dit Luffy. C'est pour vous. Voilà, on se fait des petites références au One Piece. Hein. On est là pour s'amuser. Et on s'est bien amusé avec Cavendish parfois. Vous avez vu, c'est fun. Tape vite, tape partout, dans tous les sens. Par contre, c'est très actif hein, comme jeu gameplay. Il faut y aller. Hein. Donc, plus il va vite, et plus vous devez aller vite. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc, c'est un gros défouloir quand même. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Comme je vous le disais, vous dites votre perso que vous jouez, que vous trouvez qui est fort. Hein, et qui est pas, qui, vous voyez, avec des builds intéressants. Donc n'hésitez pas à me le partager. Et moi de mon côté, même si vous n'avez pas de build, vous aimez ce personnage, vous ne savez pas trop comment le jouer également, il y a moyen que vous me le donniez, le perso que vous voulez voir dans les nouveaux modes de jeu. Ah, sachant qu'attention, hein, on se rappelle, il y a un temps, c'est du speedrun en fait, hein, ce mode de jeu. Dans les deux autres DLC, je pense pas qu'il y aura que ce mode-là. Franchement, je pense qu'ils vont, nous faire une petite surprise sur chaque DLC. On verra, hein, on verra. De toute façon, déjà de le deuxième, si on voit qu'il y a une autre différence, on saura qu'au troisième, il y en aura encore un différent. Et finalement, en fait, le fait qu'il y a plus de modes de jeu, qu'il y a des modes de jeu, des nouveaux lieux, parce qu'il y aura des nouveaux lieux, en plus de nouveaux persos, ça va faire plaisir. Voilà, donc déjà, en soi, on est content parce que on a 4 nouvelles missions qui donnent 4, pas nouveaux stages, missions, nouveaux styles, hein, avec le compte à rebours. Et bien, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. En plus, on a un objectif, aller farmer les âmes, voilà, pour avoir des statistiques complètement craquées, sachant qu'on n'est pas encore à fond. Hein, avec Cavendish, j'aurais pu encore un petit peu grappiller, ce qui permettrait peut-être de faire encore du meilleur score. Et nous, on va chercher les âmes, voilà, tranquillement. On se fait ça ensemble en même temps que je termine la vidéo là-dessus. Voilà, donc pour vous dire, je vous remercie pour vos soutiens. Tous vos commentaires fait grave plaisir, les gars. N'hésitez vraiment pas à me demander si vous avez des questions, les persos que vous voulez que je joue.
Allez-y, franchement, je vais vous lire. Je fais même dans l'ordre, à la limite, si vous voulez que. Voilà, entre chaque vidéo, vous me dites un. J'en choisis un dans vos commentaires. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner si vous le contenu vous plaît. Et si ce n'est pas déjà fait. Merci de partager aussi la vidéo. Hein. Vraiment, ça, c'est pour le soutien de la chaîne. Et on va se retrouver pour d'autres vidéos sur One Piece. Jusqu'en attendant déjà la sortie de Cyberpunk. Je pense qu'on va passer pas mal de temps. Je vais vous faire un peu d'autres contenus sur la chaîne également. Pas forcément que du One Piece. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu multi-gaming quand même sur la chaîne. Mais là, franchement, on savoure. Ça, on attendait le. Pas l'extension, elle est arrivée, elle est trop bien, on est content, on en profite, faut en profiter, faut s'amuser les gars, c'est important. Hein. Des bisous, bon jeu, bon farm, à très très vite pour la suite du contenu sur la chaîne. À très très vite, des bisous, amusez-vous bien.